Action. On a un jeune acteur très prometteur. On va le refaire. On a un jeune acteur très prometteur. Ok. Ensuite, et un budget colossal de... Action. Nous sommes sur le point de réaliser une série révolutionnaire. J'ai déjà contacté les plus grands. Action. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ah, la scène 15. Le troisième jour, on s'est dit que tout irait bien. Vous avez une magnifique scène à tourner avec une petite fille adorable. Oui. Alors, je m'appelle Nathan Mansuy, je suis étudiant en cinéma et depuis 10 ans maintenant, je fais des vidéos, des courts-métrages, des sketchs et des fois des reportages aussi. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de tourner un court-métrage qui s'appelle La décadence du justicier gris et ça raconte un tournage de série dans les années 50, sauf que rien se passe comme prévu. Et depuis quelques années maintenant, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Placard. Donc j'ai choisi de faire du cinéma parce que c'est une passion pour moi que j'ai découvert. J'ai découvert vraiment ce que c'était avec Costa donc, quand j'étais petit. Et depuis, ça me quitte pas et c'est vraiment ce qui me plaît vraiment. Au niveau des réalisateurs qui existent déjà, tes références, c'est qui? C'est quoi? J'en ai plusieurs. Après, ça dépend aussi des courts-métrages qu'on fait. Mais c'était surtout Spielberg. Et là, bon, pour le court-métrage qu'on est en train de tourner, la décadence du justicier gris, c'est plus les comédies françaises comme Gérard Oury et les films avec De Funès, tout ça. Et pourquoi Spielberg alors? Parce que je trouve que c'est un réalisateur qui est vraiment. Qui peut parler à tout le monde, qui n'est pas prétentieux dans ce qu'il fait. Et puis, qui fait quand même un sacré grand nombre de classiques maintenant. Moi, je me tourne plus vers la fiction, mais après, bon, c'est aussi un champ libre à tous les sujets. Et voilà, moi, du moment que ça peut divertir les gens et peut-être leur apprendre des choses au passage, ben ça me va. J'aime bien le cinéma et je m'appelle Anaé. Je fais beaucoup de cinéma. Et avec qui t'as fait le deuxième avec Nathan. Ok. De toute façon, même le cri il sera coupé. C'est oui. Vraiment, on va juste voir un début de cri. Ouais, voilà. Ouais. Le deuxième était bien. Ouais, c'est bon. Ouais. C'était bon. Ah, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, où tu filmes, où je filme, et quelqu'un tient la perche. Moteur. Action. Attention. Derrière vous. Bon, laissez tomber le texte. On va improviser un peu. Hein? Ouais. Alors sortez du champ. Bon, vous imaginez que vous devez secourir un bébé. On laisse pas bébé dans un coin. Ok, bon, très bien. On vous rappellera. Ok, merci. Mais d'où il sort celui-là? Bonjour, je m'appelle Caroline. Alors, ce qui est rigolo, Nathan, c'est que je le connais depuis longtemps, puisqu'en fait, je l'ai eu comme élève au conservatoire. Et puis, je suis fière de lui parce que c'est sa passion. Et je le vois s'épanouir. Et donc là, c'est plusieurs petits courts-métrages qu'il réalise. Et donc là, il est étudiant à la Sorbonne. Et moi, j'espère qu'il ira très loin et qu'il fera son rêve d'être réalisateur. Après, tu laisses, on va dire, moins de 10 secondes. Ensuite, on coupe. Mmh. Ensuite, tu reprendras avec Bourville et Fernandel. Alors, Louis, André et Louis. Non. Fernandel. Fernandel. Ensuite, Fernandel. C'est Bourville. Ah, Bourville. Bourville. Ok. Ah, c'est bon. Mais c'est Bourville. Tu t'appelles Bourville ou oui. André. Bourville. Ah, parce qu'on devrait. Axel. André Rimbourg. Bourville, quand même. Et
France. Alors qu'est-ce que j'ai dit, ce que j'ai dit? Il dit, regarde, jeune prodige, voici la créature que nous cherchions. Regarde, jeune prodige, voici la créature que nous recherchions. Et en fait, faut pas qu'on regarde l'ombre, faut qu'on se mette comme ça et qu'à la caméra, ça rende un... Regarde, jeune prodige, voilà la créature que nous recherchons. En fait, on regarde là. Moteur, action! Regarde, jeune prodige, voilà la créature que nous recherchons. Bon sang, justice gris, elle est immense! Ouais. Et du coup, on va faire une fausse interview. Ouais. Action! Alors te voilà, fiefé fantôme. Tu vas me dire où se trouve le justicier gris tout de suite! Là! Ah, c'est pas bête, tu peux t'en refaire. Là! Là! C'est bon. Bon, c'est bon, oui, c'est bon. Voilà. Bonjour. Donc, je suis Stéphane Purnel. Et j'ai eu Nathan à l'âge de 4 ans dans ma classe, en moyenne section. Et il a suivi une bonne scolarité. Et la preuve, il est arrivé à la Sorbonne, au cinéma. Et maintenant, il vient rechercher son maître de maternelle. Et je suis tout fier de tourner avec lui dans ses courts-métrages. Alors, Nathan, je te souhaite bonne chance et appelle-moi.